Aujourd'hui, nous allons réaliser une côte de veau sauce crémée aux asperges. Pour deux personnes, il faudra une côte de veau, des champignons de Paris, des asperges vertes, ici des asperges surgelées, mais il vaut mieux les faire avec des asperges fraîches, de la crème fraîche entière liquide, du fond de veau et un cube or. Dans un premier temps, on va faire cuire les asperges dans de l'eau bouillante salée pendant une dizaine de minutes environ. Une fois les asperges cuites, on les met sur du papier absorbant. On les fera réchauffer après dans la sauce. Dans une poêle, on va faire sauter les champignons de Paris émincés. On va dégraisser légèrement la côte. Ici, c'est une côte sans os. Donc, si vous aviez l'os, vous devriez dénuder sur cette portion-là la côte pour la présentation. Dans une cocotte avec de l'huile d'olive, on va faire dorer cette côte de veau sur les deux faces. Une fois le four chaud, vous enfournez la cocotte pour 5 à 6 minutes. Au bout de ce temps, vous enlevez la viande de la cocotte et vous la réservez sur une assiette recouverte un papier alu pour la garder au chaud et la laisser se reposer. Dans la cocotte, vous versez la crème fraîche, vous ajoutez 2 cuillères à café de fond de veau, vous mélangez bien, vous ajoutez les champignons, vous rectifiez l'assaisonnement et vous faites chauffer à feu moyen fort jusqu'à ce que la sauce réduise d'un tiers environ. Ensuite de quoi, vous ajoutez les asperges pendant quelques minutes pour les faire réchauffer avant de préparer vos assiettes. On dispose des asperges au fond de l'assiette, puis on ajoute par-dessus la côte de veau et on nappe avec la sauce et les champignons. Voilà, c'est prêt. Bon appétit.